pour parler de ce que nous allons faire à la tournée. Je voudrais très rapidement resituer le contexte qui nous réunit aujourd'hui. Vous rappelez que c'est une volonté du maire et de la municipalité de réaménager et de revitaliser un certain nombre de quartiers périphériques de notre ville. Nous avons vu un certain nombre d'autres quartiers de Toulouse qui font l'objet d'opérations identiques. Certaines ont d'ailleurs déjà été mentionnées dans la presse. Pour ne citer que quelques-uns, je parlerai de Saint-Simon, de l'Ardenne, de Saint-Martin-de-Touche, de Croix-de-Rade ou de Pouvonville, et bien évidemment de la Fourvière. Donc cette idée de fidélité et d'approche particulière sur un quartier village est très fortement ancrée dans l'esprit de la population, et c'est à partir de cette réflexion que nous avons voulu requalifier, redonner un fondement de M. Célestin, qui est le président de l'Association des habitants de la Fourvière, accompagné de plusieurs personnes de son bureau, en particulier ici de M. Millard, d'autres personnes qui sont également dans la salle, et de M. Maury, qui est mon collaborateur chargé de la mise en œuvre. Si vous voyez un nombre ici de personnes représentant le monde associatif de la Fourvière, l'association des habitants de la Fourvière, le club des aînés de la Fourvière avec M. Hirac, le comité d'animation avec M. Desplat, M. Romano pour l'association des anciens combattants, et j'espère que je n'ai oublié personne, c'est que ce projet, qui est né d'une volonté municipale, a été débattu, travaillé, en étroite concertation avec l'ensemble des responsables associatifs, au premier desquels l'Association des habitants de la Fourvière. Alors, en quoi consiste ce projet? Tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes ici dans un quartier très caractéristique de Toulouse. Il est caractéristique d'abord parce que l'empreinte du passé y est fortement représentée, à travers cet ancien quartier, qui était autrefois très agricole, a gardé les empreintes de ce passé. On y voit beaucoup de vieilles Toulousaines encore, donc il a une empreinte de ce passé. Il y a aussi, comme élément très fort, l'attrait de la zone verte de Gironi, qui, très près d'ici, et peu de quartiers de notre ville bénéficient d'un site de loisirs et d'espace vert aussi important. Et puis, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut toujours le répéter, il y a la vitalité des différentes associations qui fonctionnent et qui annoncent ce quartier. Donc, l'objectif que nous recherchons, que je donne les trois grandes propositions, c'est revaloriser le cœur du village. Pour qu'il y ait un village, il faut qu'il y ait un cœur, et il faut d'abord commencer par revitaliser ce cœur. La deuxième orientation, c'est d'équiper le quartier. Car si on veut que le quartier vive, que le quartier soit animé, il faut qu'on puisse y trouver et que le tissu associatif puisse y trouver les moyens de fonctionner. Plusieurs opérations sont prévues pour viser à l'objectif fixé, et ces opérations vont se dérouler sur les 4 ans à venir, c'est-à-dire sur les années 97, 98, 99 et 2000. Je vais en parler dans un instant. Cela ne veut pas dire qu'à partir de l'an 2000, nous ne ferons plus rien à la Fourvière. Cela veut dire que nous avons une première et très importante action sur les 4 années à venir pour faire prendre corps à ce projet de noyau villageois à la Fourvière. Et ensuite, viendront d'autres aménagements d'une autre nature qui seront peut-être plus d'ordre urbanistique que destinés à atteindre les objectifs que j'ai fixés, qui sont plus concentrés sur des aménagements à disposition des habitants ou des associations. Un certain nombre de grandes orientations. J'ai dit tout à l'heure, revaloriser le cœur du village. Ceci va être marqué en gros par trois opérations importantes. La réhabilitation de la place de l'église.
qui se fera en 97. Ensuite, des aménagements de parking aux abords des groupes scolaires, dont on va parler dans un instant, qui se feront en 98, et la reconstruction de l'ensemble de la place des Glières qui est devant nous, qui aujourd'hui est le siège de notre fabriquet, qui se fera en 90. Voilà les opérations sur le cœur, les trois principales opérations. Deuxième orientation, équiper le quartier. Alors, équiper le quartier, nous allons d'abord construire une nouvelle école qui est nécessaire dès 1997. Nous allons ensuite engager la construction de la maison de quartier 1997-1998, c'est sur deux exercices, et ensuite construire une salle des fêtes en 1998. Voilà les trois éléments très forts de l'équipement du quartier. L'école, toujours fédératrice, la maison de quartier pour les associations et la salle des fêtes pour l'ensemble des habitants. Chacune des opérations, ce que j'ai mentionné ou d'autres, pour chacune des opérations, nous aurons une concertation précise avec les différents intervenants, l'association de la Fourguette ou les associations directement intéressées, de manière à affiner les choses. Je vais prendre quelques exemples, bien préciser mon pensée. Lorsqu'il s'agira de réaliser un équipement sur un lieu donné, la définition à aujourd'hui, dans cette plaquette, on a donné une orientation. La définition précise du lieu sera déterminée en liaison avec les différents intervenants, de manière à tenir compte de toutes les remarques, de toutes les contraintes qui pourraient être à prendre en considération. Aujourd'hui, on souhaite faire un équipement, il sera à peu près, la plaquette dit qu'il sera dans telle zone, et l'emplacement précis sera arrêté dans une concertation qui se fera d'ailleurs pour certaines dans les semaines qui viennent. De la même manière, le choix d'un aménagement spécifique à un bâtiment se fera au fur et à mesure de la construction, en fonction des impératifs de telle ou telle association. Il en sera également de même des choix architecturaux. Lorsque l'on va établir un important projet, on le présentera aux intéressés pour qu'ils puissent avoir un jugement, des remarques sur la réalisation qui est projetée. Donc pour vous dire que nous avons déjà mené une grosse concertation permettant de définir les grands objectifs que nous pensions utiles et surtout que les gens habitants à la Fourguette pensaient indispensables au fonctionnement de ce noyau villageois et à la concrétisation de ce noyau villageois. Et maintenant, pour chacun d'entre eux, nous allons poursuivre cette concertation en vue de réaliser ce qui est utile et ce qui est souhaité par ceux qui seront les utilisateurs de ces équipes. Évidemment, si l'on s'en arrête à la Fourguette traditionnelle, c'est de l'ordre de 3500. Si on englobe, disons, ce qu'on pourrait considérer comme tout ce qui se trouve entre la rocade et l'extrémité de la commune, on arrive facilement à 1000. Bon. Et alors après... Actuellement, on travaille en collaboration, et mon conseil de porter ses fruits, puisque des dires qui ont été exprimés au cours des réunions, on voit que ça finit par se concrétiser. Alors c'est pour nous arrivons ici à avoir un joli village, j'espère un village convivial, j'espère que nous nous retrouverons comme autrefois en train de danser et de sourire tous ensemble, parce que actuellement les difficultés de la vie font que chacun passe, chacun se croise, et il est vrai que l'amélioration du cadre de vie va apporter un plus. Monsieur Dibault l'a oublié, quelque chose, il ne l'a pas oublié, non? Il a oublié. Il n'a pas dit quelque chose parce que nous, c'est au stade où on est encore. À l'association, nous travaillons également dur en ce moment pour avoir un autre service public important dans ce village, c'est le bureau de poste. Et justement, quand vous parliez de population, j'ai été voir le bureau de poste 3100 qui nous dessert, Bellefontaine, et le receveur m'a dit: oh, mais je serais bien content de pouvoir dégraisser
mon bureau de poste, les quelques 10 000 clients que nous avons, 10 000 usagers, n'est-ce pas? Alors, 10 000, c'est peut-être un gré pour ce que, la façon dont nous voyons le village, mais on peut se baser sur 7 ou 8 000 habitants qui pourraient se servir, usagers, pardon, qui viendraient se servir à un bureau de poste ici. Alors, nous avons vu déjà une mairie, c'est quelque chose de merveilleux ici déjà. Il se prépare toute une série d'équipements non négligeables, certains m'ont parlé de piscine, mon père, on n'en est pas là. Hein. Nous avons le lac, si les services de pêche qui ont déjà versé 600 kg de carpes chinoises il y a 2 ou 3 ans, lesquelles carpes chinoises étaient prévues pour dévorer tout ce qui est vert, c'est-à-dire toute l'herbe, et nous rendre le lac propre comme une piscine, comme par exemple à Sestière là-bas. Les cartes ne devaient pas savoir le travail qui leur était confié parce que... Deuxième point, nous sommes en train de le régler. Bon, ça, c'est un problème de nettoyage de l'environnement qui est lancé actuellement. Sur le coup d'affaire du bureau de poste, si je n'en ai pas parlé, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une initiative purement municipale. Nous n'avons pas la maîtrise et donc par conséquent la décision dire s'il faut ou s'il ne faut pas un bureau de poste à la Sorgueil. En ce qui concerne la municipalité, que ce soit Jean-Pierre Lerre ou moi-même, nous l'avons demandé déjà depuis longtemps. Et nous souhaitons effectivement qu'on puisse arriver à le concrétiser. Nous prendrons cette affaire en main, si je puis dire, entre guillemets, le jour où la direction de poste nous confirmera qu'elle veut installer un bureau de poste. Nous essaierons avec elle de trouver les locaux permettant d'installer ce bureau de poste. Dans tout ce que nous avons fait, c'est qu'ici à la Fourguette, les associations se parlent, discutent et ne se tournent pas le dos. Et ça, je crois que c'est un élément très positif et très fort de ce qui existe déjà sur ce quartier. Et parce que souvent, ce n'est pas le cas partout. Chacun essaie de tirer un peu la couverture vers lui. Ici, les gens... c'est d'ailleurs parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ils se connaissent depuis longtemps, donc ils se parlent en toute franchise. Et ça permet quand même de faire avancer.